On vient à la rubrique hebdomadaire du lundi en immersion quelque part dans la métropole. Ce soir, le musée d'Aquitaine à Bordeaux, des salles d'exposition aux coulisses inconnues du grand public. Visite guidée avec Catherine Bouvet et Nicolas Pressigot. Sur l'emplacement du couvent des Feuillants, le musée d'Aquitaine a investi ce colossal bâtiment qui fut la faculté de lettres à la fin du 19e. Un lieu riche d'histoire, de savoir, une tradition qui semble se perpétuer de jour en jour. Alors les Gaulois, ils étaient hyper balèzes. Ici, les visiteurs remontent le temps grâce au travail des médiateurs culturels qui s'adaptent à leur public, qu'ils soient jeunes, âgés ou handicapés. On a des œuvres majeures comme la Vénus de l'Ocelle, la statue en bronze de Hercule, par exemple, en Antiquité. Mais on s'intéresse aussi à la vie des sociétés, en fait, dans ces différentes époques. Comprendre comment on vivait en Aquitaine, à la préhistoire, à l'Antiquité, au Moyen-Âge et puis au XVIIIe siècle aussi, avec la vie du port de Bordeaux. Cécile fait partie des 5 médiateurs qui orchestrent avec le service culturel le contenu des visites, des supports de présentation et s'adaptent aux événements comme ici lors de la préparation de la Nuit des musées qui se déroulera au mois de mai. On s'en rend pas compte, mais nous sommes environ 60 à 65 personnes et des corps de métier très différents dont on n'imagine pas parfois qu'ils puissent se trouver dans les murs du musée. Nous avons une équipe technique avec des peintres et des menuisiers, nous avons une équipe financière et administrative, nous avons bien sûr des conservateurs. Aidés des régisseurs et techniciens, ces conservateurs disposent de 3300 m² de réserve, véritable trésor, des estampes au grenier jusqu'aux collections extra-européennes au sous-sol du musée. On doit avoir ici à peu près 5 ou 6 000 objets, mais sur l'ensemble du musée, ça, on doit avoir 600-700 000 objets, donc c'est impossible de tout montrer au public. Mais ça nous permet quand même de remplacer les collections, de les présenter dans certaines expositions temporaires et puis de travailler avec des chercheurs. À l'arrière du musée, les ateliers permettent de reproduire, nettoyer et restaurer les pierres de la collection, mais aussi de préparer d'autres expositions. Les menuisiers planchent sur la prochaine, consacrée au tracé historique de la LGV, tout comme les graphistes à l'étage, qui fournissent tous les visuels. Les parcours d'exposition, les catalogues, le matériel d'animation. Chaque sujet est différent, chaque exposition est différente. Donc finalement, ça nous amène à travailler sur des sujets. On en apprend toujours énormément de choses. Un savoir, mais aussi une atmosphère appréciée des chercheurs et étudiants qui fréquentent par exemple sa bibliothèque peu connue. S'instruire sur le passé pour mieux comprendre notre temps, c'est aussi le défi du musée qui cherche à attirer un public plus jeune. Vous choisissez un des trois jeux. Vous faites glisser ceci. Quel est l'élément unique dont on ne connaît pas la signification? Alors vous cherchez, vous regardez la corne. Vous validez, bien joué. De la pédagogie et beaucoup d'énergie à transmettre l'histoire humaine pour ce musée à peine trentenaire. Il est désormais une institution à Bordeaux qui reçoit près de 150 000 visiteurs chaque année.